Bonjour à tous et merci de regarder TV7 ce matin, une édition spéciale bien sûr suite aux annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Analyse, réaction et décryptage dans un instant. D'abord, on jette un œil à la météo en Nouvelle-Aquitaine. Retour des éclaircies cet après-midi sur l'ensemble de la région, vous le voyez. Un temps plus sec donc, malgré quelques passages nuageux. Il va faire beau en Nouvelle-Aquitaine ce jeudi. 15 degrés à Guéret au meilleur de la journée, jusqu'à 20 degrés à Bordeaux et 21 pour la maximale à Mont-de-Marsan. Tout de suite, votre journal. Le président de la République a donc acté hier soir un nouveau confinement et l'ensemble du pays est concerné. Emmanuel Macron a évoqué la gravité de cette deuxième vague épidémique qui touche l'ensemble de l'Europe. Dès demain, il faudra de nouveau limiter ses déplacements et se munir d'une attestation pour sortir. Un confinement cependant plus souple que le premier qui devrait durer au minimum 4 semaines et dont les contours doivent être précisés aujourd'hui par le Premier ministre. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Benoît Lasserre, vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour à vous. Bonjour Raphaël. On va en parler donc ensemble dans un instant. Je vous propose d'abord d'écouter les réactions des Bordelais hier soir, juste après l'allocution d'Emmanuel Macron. Les jeunes qui profitaient, sans le savoir, d'une de leurs dernières soirées en terrasse d'un bar avant longtemps. Et pour la plupart, ils sont plutôt résignés. Écoutez. On appréhende parce que cette fois, on sait ce que c'était. En fait, on l'a déjà vécu une fois. Hein, donc du coup, là, on l'appréhende à nouveau. Si on est en télétravail, en tout cas, je ne resterai pas à Bordeaux parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Si je ne peux pas profiter de mes amis ou quoi que ce soit et rester tout seul, ça va encore me retrancher dans cette solitude qui n'a pas été une joie pour moi. Si c'est pour le bien de la population la plus âgée, bah, c'est très bien. Après, Macron a dit c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais ce n'est pas grave. J'ai un peu mal vécu le premier et j'appréhende un peu le second, mais je pense que le second sera déjà... Bah, déjà plus court que le premier, en théorie. Laisser les jeunes comme ça, dans leurs appartements, isolés encore une fois, ça fait beaucoup de mal, mais bon, encore une fois, si c'est pour le bien de la population, bah, on le fait, on s'adapte, et puis tant pis, on persiste. On se reconfine parce que peut-être, je pense que le gouvernement bah, peut-être met en avant ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une précarité au niveau du système de santé qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des infirmiers qui ne sont pas assez formés, des médecins qui ne sont pas assez formés, et du coup, bah, là, aujourd'hui, donc, on est en galère. Des lits, bah, il en manque. Voilà les réactions des Bordelais hier soir. Benoît Lasserre, ce confinement, on a l'impression de s'y être résigné presque très rapidement. Pourtant, c'était quelque chose qui était encore impensable dans nos têtes il y a 48 heures à peine. Oui, c'est vrai, même si on sentait que le gouvernement préparait un peu les esprits à ce reconfinement en expliquant que le couvre-feu bah, ne marchait pas tant que ça. Et puis surtout, en mettant en avant les chiffres affolants des cas qui se déclaraient, des nouvelles contaminations, des hospitalisations. Donc c'est vrai que les Français s'y attendaient un peu. Et puis les Français, ils sont comme tout le monde, ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Emmanuel Macron en a beaucoup parlé dans son allocution. Il voit bien qu'autour de nous, en Europe, bah, c'est reparti pour cette deuxième vague que des experts assuraient pourtant qu'elle n'arriverait pas. Oui. Donc effectivement, il y a une sorte de résignation. Je trouve que le micro-trottoir résume assez bien effectivement, l'opinion générale, quoi. Ben, c'est gênant pour tout le monde, mais bon, voilà, il faut y passer, quoi. On se résigne. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, hein, il a été critiqué par la gauche et par la droite hier soir. Hein. Pourtant, des gouvernements de gauche et de droite ont dû prendre les mêmes décisions dans d'autres pays européens. Exactement, oui, c'est vrai. Bon, après, c'est le jeu politique. Hein. C'est vrai que quand on est dans l'opposition, la critique est plus facile que quand on est au pouvoir. Qui sait ce que feraient ceux qui critiquent Emmanuel Macron s'ils étaient au pouvoir. Après, ce qui est exact, la vraie critique qu'il fait, c'est que ce gouvernement, mais bon, peut-être peut-on le dire de tous les autres gouvernements, espagnols, italiens, aussi italiens, qui pensaient que l'Italie, à son tour, serait submergée par cette deuxième vague, peut-être n'ont-ils pas suffisamment anticipé. Ce qui est dommage, moi, je regardais hier, je refaisais un peu des archives, qu'on n'ait pas écouté Esther Duflo, l'économiste prix Nobel
Nobel d'économie en 2019, qui, avec son mari, également prix Nobel, avait suggéré un reconfinement de 3 semaines du 1er au 20 décembre, en disant que ça permettait d'anticiper justement le virus et de sauver surtout les fêtes de Noël, parce que ça, il faut y penser. C'est aussi pour ça que maintenant, le gouvernement souhaite reconfiner, c'est pour espérer que les fêtes de Noël puissent se passer en famille et sans problème. Parce qu'alors là, si par contre, effectivement, les gens sont reconfinés, espérons que non, on parle de 4 semaines à Noël, là, je pense qu'il n'y aura pas de résignation. C'est un confinement, on l'a dit, qui sera plus souple que le premier qu'on a connu à partir du mois de mars. Donc, à partir de ce soir minuit, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi, il va rentrer en vigueur. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qui change concrètement par rapport au premier confinement qu'on a connu ? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu le confinement à l'irlandaise, puisque l'Irlande, la République irlandaise a un peu testé ce confinement. C'est-à-dire que d'abord, les établissements scolaires restent ouverts. Donc ça veut dire que les parents ne garderont pas les enfants chez eux, avec parfois les crises que ça a pu susciter, et parce que voilà, ils pourront continuer d'aller travailler, même si c'est chez eux en télétravail, mais les enfants seront scolarisés. Les EHPAD restent ouverts aussi, ça c'était important. On se souvient que pendant 2 mois, les personnes âgées pensionnaires d'EHPAD avaient souffert de l'isolement. Donc ça, c'est important aussi. Et puis on attend, alors effectivement, évidemment, les bars, les restaurants, malheureusement, vont fermer. Ça, c'est une des très mauvaises nouvelles. Beaucoup de commerces aussi. Mais on attend effectivement un peu de connaître la liste que vous l'avez dit. Jean Castex va donner quelques détails. On ne sait pas quel commerce. Les services publics vont rester quand même ouverts. Le BTP aussi va continuer de travailler, alors que pendant le premier confinement, les chantiers étaient totalement à l'arrêt. Ça, pour les élus, je pense que c'est important que voilà, il y ait une activité économique qui continue. Donc voilà, ce sont les principaux changements par rapport au confinement du printemps. Les réactions politiques, hein, on l'a dit, elles ont été nombreuses hier soir et ce matin. Nous sommes en ligne avec Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole. Bonjour à vous, Alain Anziani. Ce confinement pour toute la France, même pour nous qui finalement n'étions pas concernés par un couvre-feu, est-ce que vous le comprenez aujourd'hui ? Oui, bonjour. Moi, je le comprends tout à fait. Je prends garde de ne pas critiquer le gouvernement qui est face à une situation très difficile. Je pense que c'est assez démagogique de le faire. Ce que je vois, c'est que lorsqu'on a entre 40 000 et 50 000 nouveaux cas par jour, peut-être 100 000, dit le professeur Defrécy, il faut évidemment agir. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien. Il faut sauver des vies. Voilà. Ensuite, après, évidemment, on sait que ça va être une vie plus difficile, mais il faut d'abord sauver des vies. Pour moi, c'est la priorité. On voit en plus, comme vient de dire Benoît Lasserre, que c'est pas un phénomène franco-français. Ce serait trop beau. C'est une épidémie, évidemment, qui frappe toute l'Europe, qui n'a pas de frontières. Donc il est important de prendre cette mesure. J'y suis totalement favorable. Est-ce que Bordeaux Métropole va mettre en place des mesures de soutien, notamment pour les entreprises de la métropole, comme elle l'avait fait lors du premier confinement ? Oui, on avait déjà préparé des différentes mesures pour aider les entreprises. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut sauver des vies, il faut également sauver des entreprises et sauver des emplois. Donc j'ai une réunion ce matin en mairie, j'aurai une réunion sans doute demain à la métropole pour voir comment on peut soutenir notamment le commerce qui va être de nouveau les plus sinistrés. On a une sorte de partage de compétences avec la région qui aide les grandes filières, mais nous c'est évidemment les petites entreprises et le commerce qu'il faut qu'on soutienne. Merci beaucoup Alain Anziani. On rappelle Merci. Que vous êtes président de Bordeaux Métropole, la métropole bordelaise où le taux d'incidence continue de grimper. Mais pendant quelque temps, on pensait la métropole et même toute la Gironde épargnée par une violente deuxième vague. Pourtant, même si elle est retardée, l'épidémie est bien repartie ici aussi. C'est ce que nous disait hier soir le directeur du CHU, Yann Bubien. Écoutez. Alors que la situation est grave partout en Europe et en France, c'est vrai que la Gironde et Bordeaux font figure aujourd'hui d'exception puisqu'on a des chiffres beaucoup plus bas. Mais néanmoins, les signaux sont au rouge. Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, ce matin, en cellule de crise, on a fait le point. On a 106 patients qui sont hospitalisés pour Covid, dont 29 patients qui sont en service de réanimation. Donc on n'est pas du tout saturé aujourd'hui au CHU de Bordeaux, mais néanmoins tous les signaux sont au rouge parce qu'on voit augmenter tous les jours le nombre de patients hospitalisés et augmenter tous les jours le nombre de patients en réanimation. Tout le CHU est mobilisé, mais les moyens humains, c'est évidemment le cœur du moteur, c'est le cœur du sujet actuellement parce qu'on a aussi des soignants qui sont touchés par le Covid, évidemment. Et donc, quand ils sont touchés par le Covid, ils sont dépistés et ils doivent rester chez eux. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un absentéisme qui est assez important
à cause du Covid, parce que toute personne, évidemment, qui est suspectée Covid ne peut pas venir travailler. Donc là, on a une difficulté d'organisation que rencontrent tous les hôpitaux dans le monde actuellement, et c'est vraiment le cœur du moteur, parce qu'on le sait, hein, les hôpitaux, ça fonctionne grâce à nos médecins, grâce à nos infirmiers, grâce à nos aides-soignants. Benoît Lasserre, on sait que tous les secteurs sont, ou presque, hein, sont touchés par cette crise sanitaire. Emmanuel Macron, hier, il a dit qu'il ne croyait pas à cette opposition entre santé et économie. Pourtant, jusque-là, on avait l'impression qu'il faisait tout pour éviter un reconfinement. Est-ce que c'est un aveu d'échec, finalement, ces nouvelles décisions ? Pour reprendre son expression, on va dire que ça n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Un aveu d'échec, oui, c'est d'une certaine façon, quand on reconfine, c'est forcément que quelque chose n'a pas marché. C'est-à-dire, c'est la solution extrême. Oui, on ne peut pas dire que ça a marché, mais encore une fois, personne n'a la solution miracle face à ce virus. Quand on dit qu'effectivement la Gironde et Bordeaux étaient épargnés et qu'on voulait territorialiser un peu le confinement, mais qu'est-ce qui se passe si dans 8 jours, Bordeaux est à son tour submergé par le Covid, on dira « ah ben oui, mais il fallait prendre les devants ». Franchement, c'est très compliqué. Et maintenant, voilà, il y a, comme vous avez dit, une sorte de résignation en espérant que ça ne va effectivement durer que 4 semaines. Ce nouveau confinement, il était redouté par beaucoup de professionnels, notamment les propriétaires de bars et de restaurants qui devront fermer complètement leurs portes à nouveau. À partir de demain, le secteur était déjà très touché par la crise. Nous sommes en ligne avec Laurent Tournier, le président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers en Gironde, l'UMI. Bonjour Laurent Tournier, on savait votre inquiétude extrême avant cette décision. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit ? Est-ce que c'est le coup de grâce pour vous, ce nouveau confinement ? Oui, c'est le coup de grâce, bien sûr. La problématique aujourd'hui, c'est que, alors, bien évidemment, ce virus se continue à se propager. Et la vraie mauvaise nouvelle, c'est de voir cette deuxième vague nous arriver encore apparemment plus forte que la première. Comme le disait parfaitement le directeur du CHU, M. Bubien, aujourd'hui, nous sommes encore épargnés. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se voir contraint, alors que pour finir, globalement, ici, la situation n'est pas si mauvaise. Mais nous allons, comme le disait M. Lasserre également, être résignés. Voilà, même si nous avons du mal à l'être, parce que c'est vrai que cette deuxième contrainte, ce deuxième confinement risque d'être fatal pour une bonne partie de nos restaurateurs, nos hôteliers, nos traiteurs, je ne parle pas des discothèques, etc. Vous pensez qu'un plan de soutien peut empêcher justement des conséquences dramatiques, des fermetures, ou vous misez, vous, vraiment sur des fermetures de restaurants et de bars en série pour les prochaines semaines, les prochains mois ? Écoutez, le plan de soutien, il n'a jamais vraiment été là. Nous avons eu des reports de charges, nous avons eu des prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité qui a joué toute petite partie d'aide, voilà, mais qui n'a pas été suffisant. Donc aujourd'hui, un nouveau dispositif va être mis en place sur le fonds de solidarité avec apparemment 10 000 euros à la clé possible pour certaines entreprises. On va attendre d'avoir les modalités de cette aide. Mais sincèrement, ce n'est pas suffisant parce que les entreprises aussi, aujourd'hui, ont été spécialement touchées. Et même avant la crise avec les gilets jaunes, et depuis maintenant 8 mois, entre les fermetures pour le confinement et une reprise d'activité en dents de scie, aujourd'hui, j'ai peur que malheureusement cette nouvelle contrainte soit fatale pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Je rappelle que c'est le secteur du tourisme en général, c'est 2 millions d'emplois sur la France. Donc, ça va toucher énormément, énormément de gens. Et nous avons déjà beaucoup de retours de gens qui sont au bord de la faillite et qui, compte tenu des annonces hier soir, pensent tout simplement tirer le rideau. Merci beaucoup, Laurent Tournier. On rappelle que le Premier ministre Jean Castex doit donc préciser les contours de ce nouveau confinement et des aides qui seront accordées aux entreprises dans la journée. Ce jeudi, les restaurateurs sont donc très inquiets face à ces nouvelles annonces et ce ne sont pas les seuls. Hier, les gérants de salles de sport fermées depuis un mois en Gironde ont exprimé leur colère devant la préfecture. Ils espéraient pouvoir entamer des discussions avec la préfète. Écoutez. On est passé par la voie légale, où on a demandé d'être reçu pour discuter, pour essayer de trouver des solutions, pour comprendre. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout entendu, on n'est pas du tout reçu, on n'est pas du tout considéré. Et c'est dramatique maintenant. Toutes les études prouvent que plus de 90% des gens qui sont en réa
ont des problèmes de comorbidité, c'est-à-dire de l'hypertension, de l'obésité. Donc ils ont énormément de problèmes de santé que nous on règle. Donc on améliore la santé des gens et également leur défense immunitaire. Ça fait clairement partie de la solution, mais une solution qui n'est pas prise en compte ni par la préfète ni par l'État apparemment. En ce moment, il y a une perte de chiffre d'affaires. Il y a des loyers qui se continuent tous les mois. Et je vois bien, enfin nous, en tant que salle de sport, on ne voit pas le bout du tunnel. Pour nous, fin d'année, on est encore fermé, on ne va jamais réouvrir. Donc on ne veut pas finir comme les boîtes de nuit. Concrètement, on ne veut pas terminer comme les boîtes de nuit. Et si on est tous rassemblés, c'est pour cette raison. C'est pour se battre et qu'on veut des réponses. Ce n'est pas normal que certains sont ouverts ou on est fermé. Voilà, on va rappeler ce qu'on sait de ce confinement dont les contours sont à préciser dans la journée par le Premier ministre Jean Castex. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il durera au moins jusqu'au 1er décembre et qu'il sera plus souple que le premier puisque dès demain, vous pourrez aller travailler, faire vos courses essentielles, emmener vos enfants à l'école, vous rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche et enfin prendre l'air à proximité de votre domicile. Mais pour toutes ces sorties, il faudra donc se munir d'une attestation, une attestation qu'on peut télécharger sur l'application Tous Anti-Covid. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. On se retrouve pour continuer cette édition spéciale suite aux annonces d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités.